Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit fini. Je suis accompagnée, donc il ne restera point pendant toute la vidéo, vous vous en doutez. Et je ne sais pas ce qu'il bidouille. Voilà, il vous montre son cul. Donc je vais commencer comme à chaque fois par les produits Ten Pan, il y en a quelques-uns. Donc j'ai terminé de chez Mixa le soin de nuit régénérant fermeté. Donc voilà, il y a marqué Ten Pan dessus. Loulou. Il s'en fout complètement. Oui. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Et en plus de ça, pour vous avouer, je ne l'ai pas terminé parce que je trouvais qu'il sentait très bizarre. Du coup, je l'ai... clairement, je l'ai jeté. Hein. Enfin, j'ai vidé le pot et disons que je l'avais déjà aux trois quarts fini. Il restait un quart, mais je trouvais vraiment que l'odeur était très bizarre. Ensuite, du projet Ten Pan aussi, j'ai terminé mon Fake Up de chez Benefit. J'aime beaucoup ce produit. En fait, c'est un concealer. Oui, j'ai été gratter au fond pour être sûre de le finir, au prix que ça coûte. C'est un concealer, en fait, hein, tout simplement. Il paraît qu'il est anti-cerne hydratant, qui ne migre pas. Donc... pour celles qui connaissent le fake up, vous avez l'anti-cerne et au milieu vous avez sûrement le baume hydratant. Donc il est bien, il est très très bien, je pourrais le racheter sans problème. Ensuite j'ai terminé deux déos, donc le Rexona Woman et le Narta. Donc c'est de si, donc Captain Pan de les deux. Celui-ci j'aimais pas du tout. Ah loulou, qu'est-ce que tu fais? J'aimais pas du tout l'odeur. Et celui-ci, j'avais aussi un problème avec l'odeur. Et je trouvais qu'il faisait des traces. Et du coup, voilà pourquoi j'ai mis du temps. Enfin, pourquoi j'avais pas envie de le terminer. Mais voilà, c'est des déos, ça va vite. Hein. Pchit, pchit, et puis après on en met un peu partout. Et voilà. Alors, on va s'occuper maintenant des soins visage parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oh, mais il faut te décider, c'est où tu montes ou tu descends, hein. Alors, j'ai terminé les Faclar Duo, donc le soin anti-imperfection, correcteur et désincrustant. Donc en fait, c'est une crème pour les boutons que j'utilise pour mes petits stars qui sont là, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà racheté et que je pense que je rachèterai au fur et à mesure. Ensuite, j'ai terminé mon tout petit pot de Bioderma, donc de la créaline H2O. Pour l'instant je ne l'ai pas encore acheté. Je pense attendre un peu pour la racheter parce qu'en fait j'en ai un petit peu une overdose de ce produit, mais j'aimerais j'en ai trouvé d'autres intéressants. Ensuite j'ai terminé de chez Cosmens, donc c'est une marque qu'on trouve sur le site des créateurs de beauté. Donc la touche asséchante, soin localisé. Alors normalement c'est un produit qui a une petite bille normalement, et donc on le pose sur les boutons. Moi j'ai enlevé la petite bille, j'ai vidé le produit dans un petit pot hein, parce que je trouvais que la petite bille ne déposait pas assez de produit. Et j'aime beaucoup cette petite chose, c'est tout petit, mais bon. Donc ce produit, si je pouvais, je le rachèterais sans problème. Hop. Ensuite bon, je vais vous faire maintenant, j'ai terminé les cotons des make-up. Ceux-là je les adore, en fait c'est ceux-là, vous pouvez constater que je les ai rachetés. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont grands et ils se déchiquetent pas quand vous mettez du produit dessus, ce qui n'est pas le cas de tous les cotons. Ensuite, deux produits pour les cheveux. Donc c'est le shampoing sec de chez Chlorane à l'ortie, donc c'est le sébo régulateur. Celui-ci, je l'aime beaucoup, je pense que je vais le racheter, il coûte quand même 7,80€. On est d'accord que l'odeur est plutôt agréable. On est d'accord que les Baptiste ont 50ml de plus et ils valent la moitié de... Au niveau du prix, ils valent la moitié de celui-ci. Donc je pense quand même le racheter parce que... peut-être pas tout de suite. Je vais peut-être privilégier les Baptiste, mais je le trouve vraiment très très bien. Et ensuite j'en ai un deuxième de chez Saint-Algues Ayos. Donc c'est le vert, cheveux regressant rapidement. C'est le purifiant, qui lui aussi est très très bien. Et j'aime bien. Par contre, lui, il sent vraiment bon, je trouve. Et je fais la même chose avec celui-ci, et c'est pareil, je pourrais le racheter. Par contre, je ne me souviens plus du prix. Ensuite, des gels douche. Alors, du petit Marseillais, j'ai fini celui au lait, tout simplement.
J'aime. Quand je l'ai acheté, j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais maintenant. Là, je suis en train de le sentir et. Ça me fait des hauts le cœur en fait. Ça me. Je crois que j'en ai marre en fait. Je crois que j'en ai eu marre. Hydratée, nourrie, oui. Enfin, c'est une crème en fait. C'est une crème de douche. Mais je pense pas le racheter. Ensuite, j'en ai terminé deux de chez Top. Donc, celle au lait végétal des Pyrénées. Donc, c'est le blanc comme ceci. Qui sent très très bon, mais c'est pareil. Je crois que. C'est trop neutre comme odeur en fait. C'est trop neutre. Mais bon, c'est un gel douche qui est très agréable. Son Dop sont très bien. Et encore de chez Dop. J'ai fini à l'abricot du Roussillon. Celui-là, par contre, je vais aller le racheter. J'adore les gels douche à l'abricot. Franchement, c'est. Et celui-là, ils sont très très bons. J'adore les gels douche à l'abricot. C'est des tueries. Franchement, j'adore ça. Ensuite, j'ai terminé deux de mes chouchous. Donc, je ne pourrais point vous les présenter dans mes produits favoris puisque je les ai terminés, mais je vais vous en parler maintenant. Enfin, bon, il y en a un, vous le connaissez. C'est mon Full Repair. Donc, ça, c'est le shampoing. Ouais, c'est le shampoing que j'ai terminé. Donc, de John Frieda. Comme vous le savez, je l'adore. Il est bourré de cochonneries. Mais moi, il me fait des très bons cheveux. Et voilà, c'est ce que je disais. Avec les gels douche, on achète plus pour l'odeur. Avec les shampoings, voilà, là, par contre, on se base plus sur l'effet qu'ils ont. Il faut quand même pas se mentir, hein. Et celui-ci, l'odeur... Aïe! Ouf, je me suis pincée. L'odeur, c'est pas du... Voilà, c'est pas non plus rien à voir avec ça, quoi. Je le rachèterai jamais pour son odeur, ça, c'est certain. Mais l'effet est top, top, top. De toute façon, j'en ai déjà parlé des millions de fois. Et ensuite, j'ai terminé de chez Garnier Fructis. De la gamme Fructis, le masque fortifiant réparateur 1 minute. Donc celui-là, je vous l'ai présenté dans ma dernière routine cheveux. Mais du coup, bah, il est vide. Donc je ne vais pas vous refaire une routine cheveux. À la place, j'utilise un du petit Marseillais, mais je compte aller racheter celui-là parce qu'il est très très bien. J'adore son odeur. Donc c'est de la gamme Nutri Repair aux 3 huiles, olive, karité et avocat pour cheveux secs et abîmés. Et celui-là est génial. Comme vous avez pu constater dans ma vidéo, je pose mes après-shampoings et je pose le masque plus sur les longueurs en fait. Parce que bah, c'est mes longueurs qui sont sèches. Donc il me nourrit. Je sais pas comment on se rend compte que les cheveux sont nourris. Celle qui sait, elle me le dit. Réparer, oui, ça par contre ça se voit. Fortifier, il casse beaucoup moins, ça c'est vrai. Vos cheveux sont souples, donc c'est vrai qu'au toucher ils sont ouais, plus ouais, là je l'utilise pas et je vois la différence quoi, franchement. Et c'est vrai qu'ils sont plus, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire quoi, plus légers, plus, enfin, quand on met leur main dedans, ils sont plus doux, ils sont plus souples, soyeux, oui voilà, c'est ce que je disais, ils sont plus agréables au toucher. Lumineux, non, ça je les trouve au plus lumineux que ternes, voilà. Là, il n'y a pas de, pour moi de différence. Mais celui-ci, je vais aller le racheter. Voilà pour mes produits finis. Je vous avais dit, il n'y en a pas beaucoup. Je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Ça m'évitera d'entasser 3 tonnes de produits dans la chambre. Et qu'après mes vidéos fassent 3 km de long. Je vais vous faire des bisous et vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye!